Alors je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans et ça fait 16 ans que je pratique le parkour. Donc moi c'est Jonathan, j'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Alors les cours collectifs ados, ils se déroulent de la manière suivante. On démarre avec un échauffement collectif, cardio, vasculaire, pour mettre le corps en route. Ensuite on a une préparation articulaire, une préparation physique afin de préparer le corps à l'effort. Ensuite on va travailler les ateliers techniques. Puis on va généralement finir avec la mise en place d'un parcours qui va regrouper toutes les techniques qu'on a vues dans la séance. Et on finit la séance tous ensemble avec un exercice collectif. Le parcours, tous les enfants en font en fait, dans les parcs, grimper dans les arbres, sauter un peu partout. Parce que souvent ils le font de façon un peu désordonnée. Et du coup, le fait de prendre des cours de parcours, ça leur permet de cadrer tout ça et qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais de façon un petit peu plus sécurisée. La plupart des coachs ont plus de 10 ans d'expérience, soit dans leur pratique personnelle, soit dans l'enseignement, donc c'est quand même un gage de qualité au niveau pédagogique. Ça permet de cadrer les enfants, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi quand ils s'entraînent à côté. Et nous, notre gros objectif avec l'association, c'est vraiment de rendre les pratiquants, que ce soit les ados ou les adultes, autonomes quand ils sont tout seuls. Les principales valeurs que les ados vont acquérir à Parcours Paris, déjà, ça va être le respect. Notamment le fait de respecter un horaire, d'arriver à l'heure au cours, de dire bonjour aux enseignants et aux autres membres du groupe. Ils vont apprendre le dépassement de soi, le goût de l'effort. On essaie d'instaurer vraiment de la solidarité aussi au sein des jeunes. Tout un tas de choses qui vont leur permettre de grandir un peu plus vite que des jeunes qui vont aller dans un club de sport un peu plus lambda où les valeurs ne sont pas mises en avant dans la pratique. À Parcours Paris, en gros, ce qui est bien, c'est que tu as tes amis, souvent, en plus, ils sont gentils, les profs. J'aime beaucoup le sport, j'aime bien aussi l'esprit d'équipe, d'être avec mes camarades, d'être avec les bons profs. Ça m'a aidé, il faut vraiment toujours travailler, et si on fait rien, on n'arrive à rien, donc il faut toujours faire pour arriver à quelque chose, un résultat.